bonjour et bienvenue sur Braise Music. Donc je vous ai présenté là une suite de gavottes pour lettres. Donc non plus une gavotte, des gavottes chantées comme celles que vous pouvez trouver dans les vidéos faciles, mais une gavotte sonnée, une suite de gavottes sonnées. Donc effectivement, vous aurez pu le voir que en transposant les airs sur les instruments, donc surtout sur le biniou bombarde, puis sur l'accordéon par la suite, et ben en pays pour lettres, ils se sont amusés à rajouter plein de petites notes. Hein, la gavotte pour lettres, je vous rappelle, c'est la gavotte où on saute sur les septièmes temps, donc est assez spectaculaire. Du coup, ils se sont amusés à fournir d'autant plus les airs. Donc là, ils sont joués à l'accordéon chromatique par André Maguet de Silfiac. C'est là que je les ai entendus aussi, mais c'est des airs, ça c'est quasiment les airs les plus connus de gavotte pour lettres sonnées. Voilà. Donc André Maguet, il avait été enregistré, le collecteur, c'est Régis Huyban, qui est un accordéoniste chromatique également, qui est bien connu, qui est du Fawet, du Croisty, vraiment du pays pour lettres aussi, qui joue dans Whippidoop, très bon groupe. Donc j'y vais, je vous présente dans cette vidéo, déjà je vais vous présenter le premier thème. Là, ce que j'ai joué tout à l'heure, c'est deux thèmes et une ritournelle. Une ritournelle, c'est une petite phrase qu'on introduit entre les différents thèmes. Parce qu'une spécificité de la gavotte pour lettres, c'est qu'ils avaient tendance, on a toujours tendance à enchaîner énormément de thèmes. Donc des fois, entre les thèmes, il y a voilà, une petite phrase comme ça de rappel qui revient. Nous, on va travailler déjà sur deux thèmes plus une ritournelle, et en mélangeant tout ça, on pourra donner quelque chose qui ressemble à une suite de gavotte pour lettres.